Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis Ineb, votre maîtresse de la petite section. Aujourd'hui, on va faire une activité de graphisme dans laquelle on va découvrir le point. Vous êtes prêts les enfants? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Très bien! C'est la coccinelle! Mais regardez les enfants! Qu'est-ce qu'elle a sur ses ailes? Très bien! Elle a des points! Elle a des points! Alors répétez après moi les enfants! Le point! Le point. Très bien, mes enfants. Et maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples où on peut trouver le point. Comme la fraise. Regardez ces petits points noirs. Et on les trouve aussi dans le kiwi. Comme ils sont si délicieux, ces fruits, miam miam. Et maintenant, on va passer pour tracer le point. Coucou, me voilà. Je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser pour tracer le point. Le bac à sable, le coton-tige, la peinture, le feutre et la feuille. Regardez les enfants, je vais mettre mon doigt dans le sable, regardez bien, et maintenant je le retire. Et voilà un point. Je peux aussi tremper mon doigt dans la peinture et faire des points. Je peux faire la même chose avec le feutre. C'est amusant les enfants, n'est-ce pas? On va revenir sur la coccinelle pour la compléter. Et comme vous le remarquez, elle a perdu ses points. À l'aide d'un coton-tige, je vais ajouter quelques points sur ses ailes. Je trempe le coton-tige dans la peinture. J'essuie. Je pose. Et maintenant, j'enlève. Et voilà un point! J'espère que vous avez compris l'activité de graphisme d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt !